La création de la retraite pour les hommes, c'est venu d'un appel vraiment que j'avais depuis plusieurs années à travailler sur la masculinité. Moi, j'ai travaillé beaucoup de temps sur la masculinité. Pour moi, c'est vraiment important cet aspect, informer trauma, respect de notre système nerveux, de nos défenses, de nos résistances, de notre vulnérabilité, notre sensibilité aussi. Je me suis toujours dit, j'ai envie qu'il y ait un espace qui existe qui corresponde à cette réalité qui est la mienne et qui est si importante. Jusqu'à ce que Thomas Recourt me contacte et me propose justement qu'on fasse un travail ensemble sur ça. Et ça m'a tout de suite semblé juste. Moi, dans cette retraite, j'amène toute la partie somatique, le lien avec le corps, avec l'estime de soi, le lien avec son intimité, avec sa sexualité, quelle qu'elle soit, où qu'on en soit dans sa sexualité. Et en particulier pour les hommes, qui est un sujet qui les touche profondément en général. Il peut avoir des questions autour de l'image de soi, des injonctions diverses qu'on subit, qu'on reçoit dans la sexualité. Donc j'accompagne sur ces plans-là à construire des nouvelles histoires en lien avec soi, son intimité et le rapport à son corps. Ce qui est important pour moi dans ce travail pour les hommes, c'est à la fois d'offrir un espace où les hommes se sentent suffisamment en sécurité pour explorer toutes les facettes de ce que c'est qu'être un homme et de ce que c'est d'être un homme pour eux. Pas de coller à une définition de la masculinité cinématographique ou caricaturale comme on la voit un peu de partout. Ce que je fais là, c'est que j'ai un rôle de co-organisateur avec Guillaume et Thomas d'un stage homme, de notre premier stage pour les hommes. Et c'était un grave, gros, énorme kiff, quoi. Moi, ce que j'amène, c'est l'aspect art vivant. C'est chanter, danser, jouer, se lier, se toucher. Enfin, c'est des choses qui me plaisent vraiment. Et l'idée, c'est qu'on se rejoigne et qu'on aborde des sujets qui sont propres aux hommes, quoi. Et Thomas m'a mis en contact avec Habibi en me disant qu'il pourrait vraiment apporter aussi à l'espace. Et Habibi et moi, on s'est donc rencontrés, ça a tout de suite connecté. On a adoré le contact et du coup, c'était un grand oui pour tous les trois de travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. Se lier, se toucher, enfin, c'est des choses qui me plaisent vraiment et j'adore infuser les moments hors atelier aussi. Ouais, c'est ça en fait, je pense. Je dirais que ce qui m'importe le plus, c'est qu'il y ait cette déconstruction-reconstruction qui se fasse en eux, pour eux. Faire ce travail entouré d'autres hommes, c'est hyper porteur, je trouve.